Bon week-end tout le monde, nous comptons rentrer la caillou pour nous porter pour vous dernière sortie téléjournal là pour semaine là, mais quelques points pour le développer. Premier ministre Jean-Henri Séan visité vendredi 9 novembre la douane Malpass là. Visite là inscrit dans cadre effort pour lutter contre contrebande et corruption sous frontière. Inspection générale et PNH recevoir 58 plaintes, li fait 188 convocations, 134 auditions, yo saisi 185 chèques, yo prend 13 mesures du conservatoire et puis fait 3 isolements pour mois octobre là selon porte-parole adjoint Inspection générale police nationale là commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Association infirmière Femmes Sages d'Haïti, dans tête collée avec Fondation pour avancement sage femmes en Haïti, mettez bout vendredi 9 novembre avec formation qui a démarré mardi 6 novembre passé pour sages femmes sous violence sexuelle et violence qui basée sous genre. Et puis, il y a un gros du feu prenant Nord Californie à hier jeudi 8 novembre. Il dit fait ça la cause en pile dégâts. Autorité yo déplacé plus passé 26 000 moun. Pour ça yo avec un pilote pour le faire essentiel journal à soya. N'a pas une première pause, n'a pas tourné notre. L'autre fois, nous saluons tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Et comme nous toujours faisons chaque soir, nous démarrons le journal ça avec conditions temps. Et c'est prévisionniste, non, Wilner Polidor, qui a porté le pronom. Bonsoir tout le monde, nous comptons commencer avec aujourd'hui pour prévision météorologique week-end. On a voir comment conditions sont sous la région. Gagnon creux en surface qui est au sud-est de la République dominicaine et creux ça a influencé l'île d'Haïti au cours de journée, demain samedi et pendant le week-end. Mais masse d'air est plus ou moins stable sous le pays. Cela veut dire que nous avons gagné un temps qui est mitigé au cours du week-end. C'est quelques activités que nous avons gagné en soirée et au cours de nuit et activité la pisaro a isolé. Pour aujourd'hui, en journée, nous avons un temps qui est ensoleillé sous majorité département. Nous avons commencé à gagner quelques développements nuageux en après-midi et en soirée. Et au cours de nuit, nous avons possibilité de gagner quelques activités la piste sous quelques départements, même si c'est isolé avec quelques coups de l'orage. Mais région nord pays d'Haïti a concerné. Département Antibonite avec le centre-ouest, à la rigueur le sud-est et l'extrême sud-ouest a concerné par activité la pluie. Demain aussi, c'est un temps qui a encore ensoleillé sous majorité département. A bien quelques activités la pluie en soirée au cours de nuit là et aussi même pour dimanche, c'est même caractéristique là au cours de week-end. Cela veut dire que nous allons profiter de week-end en beau temps en journée pour nous faire tourisme et ensuite profiter aller à la plage. Pour capitale avec zone qui environne l'eau, son capitale aussi cap de un temps qui plus ou moins stable sous capitale avec zone qui avait eu un gain, un temps qui ensoleillé au cours de journée, quelques activités rapides en soirée et au cours de nuit là, sauf que nous avons gagné une température qui a monté jusqu'à 33 degrés Celsius, ça fait un peu chaud sous pays là, mais la nuit là, nous avons senti fraîcheur parce que la température a descendu jusqu'à 22 degrés Celsius sous capitale là avec zone qui environne lieu. Mais demain avec dimanche, c'est pour aller longtemps cap beau au cours de journée avec quelques activités la pluie en soirée ou au cours de nuit là, mais c'est toujours des averses isolées avec quelques coûts l'orage. La mer a agité sous majorité côte nord, surtout vers côte nord pays d'Haïti et côte sud, mais golfe de la Gonâve pas gagné trop souci. Capitaine est capable de naviguer seulement, faut éviter non fond la mer parce que la fond la mer n'a bien mer qui a agité et parfois même faute, mais auprès des côtes capable de naviguer correctement. Et pour page astronomique là, sur la couche jeudi à 5h13 et l'a levé demain matin à 5h54. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à. Premier ministre Jean-Henri Séan visité vendredi 9 novembre la douane Malpass là. Visite ça inscrit dans le cadre d'engagement chef gouvernement et prend à travers déclaration politique générale li pour li lutter contre contrebande et corruption. N'a proposé un reportage Anne-Marguerite Auguste avec Jean Fleury préparé pour nous.
Première visite ça, chef gouvernement fait dans droit de Malpass là fait partie d'un axe prioritaire au président République là qui s'est lutté contre contrebande et corruption. Premier ministre Jean-Henri Seyan dit après Chita Paleli avec responsable douanio comprendre institution ça qui Chita dans frontière a fait face à un pile défi. C'est pour ça Premier ministre l'a annoncé une série de mesures y a bien pour prendre pour lutter contre contrebande non. Il y a des problèmes qui posaient dans le transport camion, il y a des problèmes qui posaient dans la question de sécurité, il y a des problèmes qui posaient dans la question d'entreposage, il y a des problèmes dans toute qualité de problèmes qui sont là sous le douane, et je crois que nous ne pouvons pas accepter, croiser bras nous, quitter la situation ça développer comme ça. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de venir là, je dis, et Sam Kadino, son première étape et son première visite, pour aller en pile l'autre visite, parce que le problème est en pile, et les deux. Et poste qui va l'état COB, c'est la douane, la DGI, nous ne pas jouer avec eux. Là, nous connaissons que nous avons un problème de budget, nous avons un problème de précarité, nous avons quantité de problèmes. Donc, je dis à là, c'est le moment pour l'État faire payer sa redouelle. Et c'est le moment tout. L'État n'est pas capable de quitter, passer en banal l'argent que l'État est capable de prendre, que le pas recevoir. Il y a une première mesure qui est envisagée, c'est permettre l'État haïtien de mettre un bateau aux trois chaloupes bien équipé pour contrecarrer petit bateau qui a traversé avec marchandises sans passer la douane. Premier ministre a annoncé renforcement structure l'État haïtien qui existait pour aider à mener lutte contre le banan avec plus efficacité. Nous avons une particularité sur le frontière Malpass, c'est que une douane qui fait par la terre et puis vous avez à côté un lac qui permet que une circulation qui a fait de petits bateaux. Et là, je suppose nous-mêmes, tout, pendant que nous avons une route, c'est capable de dire même une provocation contre les autorités établies. Ou comment une quantité de bateaux absorti de la République dominicaine, ils ont esquivé douane et Malpassa, et puis ils ont traversé avec marchandises sans problème. Donc, ça, nous ne pouvons pas tolérer, et c'est pour ça que nous disons, il faut nous décider avec les autorités dirigeantes de cette douane pour nous parler avec eux et garder immédiatement comment nous sommes capables de porter solution sous question ça. Ce n'est pas normal que nous ne gagnions pas un bateau qui ou un chaloupe qui est équipé avec des policiers, avec des gens qui sont armés, qui sont capables de faire face à ce qui a passé là, devant nous tous là. Et soit sous ce type de haut, le bateau a monté des scènes là, sans problème, il n'est pas inquiété, parce que justement, par une surveillance qui est adéquate. Donc, surveillance, nous allons le mettre rapidement, nous allons le faire. Nous allons mettre un bateau sur le lac là qui va être capable de contrôler ce qu'on fait là avec des agents douaniers, mais certainement avec surtout la police qui va le faire travailler ça. L'État haïtien perd chaque année 300 à 400 millions de dollars américains d'après le directeur général douane Romel Bell. L'équipe déficit sa yo gagne en pile conséquence sur une série de décisions l'État te prend dans l'intérêt pays. Il y a des instances internationales qui font des études, qui font des évaluations. Et eux disent nous, on a perdu entre 250 millions et 400 millions de dollars par an sous frontière-là. Donc, ça, un, faut nous-mêmes bien évaluer. Deuxièmement, il faut nous mettre des structures. Nous ne pouvons pas accepter ça. Pendant que nous plaignons, nous ne pouvons pas récolter, l'État n'a pas qu'à marcher parce que nous ne sommes pas capables de répondre à besoin de la population. Nous ne sommes pas capables de mettre des petits gens, quantité de petits gens ouvrent l'école. Nous ne sommes pas capables de permettre les gens de manger, nous ne sommes pas capables de créer emploi. Nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables d'occuper d'affaires santé, et puis, parce que nous n'avons pas rien, et puis toute l'argent ça a gaspillé cette frontière-là. Chef gouvernement renouvelé volonté, la détermination pour le travail pour faire pays avancer. Dans ce sens, il croit que dialogue, c'est un plus bon moyen pour gagner une société sans fausse côté. Porte-parole adjoint inspection générale police nationale d'Haïti, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, présenté bilan dossier IGPNH traité pour mois octobre. Là. IGPNH recevoir 58 plaintes, fait 188 convocations, 134 auditions, saisi 185 chèques, il prend 13 mesures conservatoires et puis il fait 3 isolements. Porte-parole adjoint IGPNH, là, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin expliqué sorti janvier pour arriver octobre IGPNH traité 634 dossiers et puis fait diverses recommandations by directeur général PNH là sous ensemble dossier ça yo. Nous évitons écouter précision dans micro Sainte-Croix pas qui avec le rodard Li Jean-Jacques. Quantité plainte que nous te recevoir yo nombre de 58 parmi plainte ça yo gien pour agression, gain pour abus de confiance, gain tout pour dette, gain 7 pour coups et blessures,
Nous avons 9 pour menace, nous avons 3 pour violence, nous avons tout 2 pour tir injustifié. C'est entre autres certaines plaintes que nous avons recevoir pour moi octobre 2018. Là. De janvier à octobre, il y a 636 plaintes que nous recevoir. L'LTP Roa, c'était 72 dans le mois d'août. Et l'LTP Pitian, c'était 52 dans le mois janvier avec février. Mais maintenant, c'est 58 pour le mois d'octobre. Acte d'enquête qui est réalisé dans l'inspection générale par rapport à traitement de dossier, c'est au nombre de 616. Parmi les 616, il y a 188 convocations, 134 auditions, 20 enquêtes de voisinage, 32 invitations. Nous avons tout 30 confrontations et nous avons gagné 3 mesures d'isolement et nous avons gagné 4 levées de mesures d'isolement pour le mois d'octobre. Enquête ouverte pour le mois d'octobre, il y a été au nombre de 84. Tandis que le rapport d'enquête qui est signé et expédié au directeur général, il était au nombre de 72. Ça, c'est le graphe qui représente le nombre de dossiers d'enquête signés et expédiés au directeur général de janvier à octobre. Et nous avons constaté avec moi, plus petit chiffre, c'était en février, c'était 45. Plus gros chiffre, c'était 83 en juin. Mais par contre, pour le mois d'octobre, c'est 72 dossiers qui signent et qui expédient au directeur général. Il y a l'autre bord, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, qui est porte-parole adjoint IGPNH là, lui confirmé directeur départemental l'Ouest PNH là, Berson Soljou, sous mesure conservatoire, après décision inspection générale PNH prend, suite à mouvement violence qui était produit mardi 9 octobre, dans le paquet Port-au-Prince. Il y a l'autre bord, porte-parole adjoint, dans le cadre dossier ancien directeur général PNH là, Godson Aurelius, déclaré c'est la justice qui peut prononcer dans le cas ça. C'est quoi pas qui, Laurent Darly, Jean-Jacques Pouillon, extrait. Le statut du commissaire divisionnaire Besson Soljou, c'est un policier. C'est un policier, il y a un statut policier normalement. Cependant, il est à disposition inspection générale, il n'a seulement pas gagné fonction que le gagné, il n'est seulement pas actif dans la fonction, mais il était un policier qui à disposition inspection générale, côté que Livin, non inspection générale à 8h, il quitte inspection générale à 4h. Suspendu. Il n'est pas suspendu, mais il est en mesure conservatoire. Suspendu. Oui, en attendant que l'enquête aboutisse. Nous te connaissons effectivement, ça va faire objet de questionnement. Nous avons besoin de connaître qui statue le directeur général Godson Aurelius. Le nom fait recherche, nous jeunes que. Il n'est pas policier. Donc maintenant, puisque il n'est pas policier, disons que l'inspection générale n'a rien à voir, je dirais, en profondeur avec ce qui se passe avec la justice. Donc l'inspection générale est là pour le documenter et faire enquête sous vue policière, sous sa policier commette. Et là encore, il n'a pas été question de erreur que l'inspection générale t'a et ça a remarqué. Donc, inspection générale dans l'ensemble, pas un gros bagage vraiment pour eux avec le dossier de l'ancien directeur général Godson Aurelius. Dans le cadre des processus États généraux Université l'État, rectorat entend organiser semaine qui vient là, une série ateliers discussion dans différentes entités qui sont dans Université l'État. Série atelier ça yo cap durer environ 2 semaines à permettre rectorat recueillir doléances acteurs dans toute entité en dans université. Formation dans UEH là, service communautaire, gouvernance UEH là, c'est quelques thématiques qu'a abordé dans cadre discussion ça yo d'après recteur université à Fritz Deshommes qui était dans micro Stéphanie Charles avec Henri Robert Chéri. Cela fait que tout travail ça nous toujours gagner en perspective.
dans le processus état-unien, c'est délibéré que ça peut être ça, pour le fait qu'au lieu de contradictoire, il y a un enrichissement, et état-unien, on va pouvoir le faire, ça qui a sorti, a bien une grande, une plus large légitimité. N'a continué utilisation numérique dans salle classio, c'est sous thème ça responsable entreprise sur table réalisé yon séance formation vendredi 9 novembre là. Série formation ça a déroulé deux fois par mois visé sensibiliser directeur ak professeur l'école yo sou rôle ak importance numérique dans milieu éducatif là. Yon extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Henri Robert Chéri. Nous là pour nous lancer et en banj et en activité bimensuelle que nous gagnons, que nous relais les vendredis du numérique. Vendredis du numérique, c'est que ça, c'est un rendez-vous et bien pour professionnels qui n'ont éducation, directeur l'école, professeur, responsable pédagogique, côté nous chita ensemble avec eux pour nous parler de et CISIO, de technologie information et communication dans l'éducation, de l'application, de pour qui raison il est important pour entrer le numérique dans la salle de classe, de qui stratégie que l'école est capable d'employer, des outils qui est différents outils qui existaient et à travers le marché, que ce soit local ou international, et permettre justement que l'école est capable d'avoir une meilleure perspective et eux-mêmes pour capable d'avoir des plans stratégiques pour capable intégrer de manière correcte et efficiente et bien outils nouvelles technologies dans la salle de classe. Chaque deux vendredis, on a fait un vendredi du numérique et à chaque fois on a fait dans une localité différente justement pour nous faire à proximité de l'école, que ce soit dans la zone métropolitaine mais que ce soit dans les villes de province, nous comptons déplacer à aller dans la ville de province pour nous parler avec l'école justement parce que c'est un programme, parce que nous connaissons l'importance de l'intégration numérique. Ce n'est pas uniquement pour une zone ou bien pour une couche, mais c'est un enjeu, un challenge pour justement tout système d'éducation en Haïti. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée à Banque Caraïbéenne Développement lancé projet KEP jeudi 8 novembre. Projet ça vient appuyer un autre projet qui portait nom PEC qui visait renforcer qualité éducation dans pays. Activité a été occasion pour participants de brasser l'idée sous activité ak ligne directrice mise en œuvre projet. Yon compte rendu Rachel Saint-Fort ak Laura Darly Jean-Jacques. Dans l'idée pour porter réponse à divers problèmes secteur éducatif là fait face dans pays a ministère éducation nationale la formation professionnelle mettait campé projet pour une éducation qualité en Haïti PEC. Manuel Jeune remercier Bourad de l'agent Haïti joindre bon côté Banque Caribéenne Développement directeur général MUNFPA fait qu'on est projet ça chita sous 5 axes. L'axe numéro 1 c'est amélioration de la qualité de la capacité des institutions au niveau de la gouvernance par la redéfinition et le pilotage d'un système d'assurance de qualité, le développement d'un système de formation relatif à l'éducation, le renforcement des pratiques de planification et de budgétisation. Axe numéro 2, support l'accès à une éducation de qualité au niveau du fondamental dans les milieux défavorisés et vulnérables pour l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que par la distribution de plats chauds quotidiens aux élèves avec des suppléments nutritionnels. Dans le troisième volet qui gagne pour augmentation offre scolaire à niveau fondamental, responsable prévoit construire une soixantaine d'écoles qui respectent les normes parasismiques d'après le coordonnateur projet PECLA Schiller Caton. Le projet KEPLA, on dit le démarrer déjà depuis un an, on fait lancement. Ça c'est renforcement. BDC déjà dans la première partie, financement par là, il y a des écoles comme la gestion communautaire qui le financer. Par exemple, une cité KEP qui est assez éloignée, tant pour la brésilienne. Hier, nous étions allemands, l'école, la brésilienne, qui est sous route, la vallée de Jacmel. Il y a les 60 autres écoles. Donc, le même ministère a gagné pour être capable de fournir liste l'école. Il faut l'identifier. Okay?
Donc, il faut l'identifier l'école ça, mais il faut le respecter critère ça. Critère qui c'est 40 à 45 minutes de marche. Divers partenaires qui ont supporté le pays d'Haïti dans quatre projets à promettre pour continuer à piéger fort qu'a fait pour améliorer le résultat programme ça. Vous souhaitez projet améliorer considérablement qualité et accès à l'éducation base sur tout côté qui est vulnérable. The US 16 million grant which funds this project. La subvention de 16 millions de dollars américains alloués au financement de ce projet is part of a wider program of support for enhancement of basic education in Haiti. S'inscrit dans le cadre plus large de programme de soutien à l'amélioration de l'éducation de base en Haïti. The components of the project are aligned with those of the World Bank. Les composantes du projet sont alignées sur celles de la Banque mondiale. Which is the primary financier of this program. Principal bailleur de fonds du programme en question. The project will support implementation of key elements of the government of Haiti's mandate for education. Le projet appuiera la mise en œuvre d'éléments clés du mandat du gouvernement haïtien en matière d'éducation. By increasing access to quality education through the availability of additional publicly funded places. En améliorant l'accès à une éducation de qualité grâce à la disponibilité de places supplémentaires financées par des fonds publics. Enhance non-public support. Renforçant l'aide non publique. And improve capacity for school sectors leadership and instructional effectiveness. Renforçant capacité de leadership, efficacité pédagogique des écoles. Permettez-moi ensuite de vous féliciter et de féliciter le ministère pour les succès dans l'amélioration du taux de scolarisation dans les dernières années et surtout pour cette ambition nouvelle qui nous réunit aujourd'hui d'engager ce virage vers la qualité. Nous pensons que c'est effectivement extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cet objectif ambitieux du ministère au profit des enfants haïtiens. Responsable du ministère de l'Éducation nationale, il fait qu'on ait une mission périodique qui a supervisé le projet pour garder l'état avancement. Montant total projet à c'est 18 millions de dollars américains. L'État haïtien a gagné pour bail 2 millions d'après le coordonnateur projet PECLA qui expliquait le projet à pétanné sous 3 l'année. Association infirmière Femmes Sages d'Haïti, notre tête collée à la Fondation pour avancement sage femmes en Haïti, mettait bout vendredi 9 novembre là, avec formation, y a été démarré mardi 6 novembre passé à pour sage femmes sous violence sexuelle avec violence qui basée sous genre. Formation a été occasion pour participants brasser l'idée sous problème violence sexuelle là et puis garder comment y a travail pour freiner course li dans société à. Dirigeant organisation ça a quoi c'est une façon pour supporter sage femme yo dans travail yo surtout les bay soin ak moun qui victime violence yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Nous fait activité ça aujourd'hui c'est à partir de constat à travers population haïtienne. Nous remarquer que ces derniers temps grand pile cas femme cap victime de violence basée sur le genre étant donné que sage femme yo c'est des prestataires qui appelaient à travailler avec femmes, avec famille. Nous voulons habiliter ces femmes à prendre en charge les gens qui sont victimes de violences. La formation, c'est pour un, aider les gens à identifier qui est la violence sexuelle, définir les pour que soit un monde ou un cas ou un cas. Exprimer que identifier son cas, deux, essayer comprendre comment pour prendre soin de moun sa. Surtout la parler de psychologiquement parce que là on moun subi violence sexuelle, li bay li konn kite des cicatrices psychologiques. Donc nous avons un psychologue tout qui te fait partie de formation. Après ça, nous gagnons société haïtien obstétricien gynécologue qui vient faire présentation sur partie technique là, comment pour faire examen physique là, et puis kounya nous gagnons avocat qui vient parler sur et aspect juridique là, comment pour remplir certificat médical. Donc c'est une formation qui est vraiment complète, qui est adressée tout aspect dans la violence sexuelle. Et c'est sur notre ça, on prend deuxième pause nous dans le téléjournal à Soya, sur la télévision nationale. On a obtenu un petit moment.
N'a démarré deuxième partie téléjournal ça avec Office National Assurance Vieillesse ONA qui célébrait 53e anniversaire jeudi 8 novembre qui s'est passé à l'occasion en directeur général ONA Chesnel Pierre dans discours expliqué institution a continué travail pour répondre à entente employé yo et puis bail satisfaction Chesnel Pierre bail garantie administration l'a dirigé à pas négliger dans effort qui nécessaire pour renforcer qualité service ONA. Pour la nouvelle année, l'ONA va se déployer visiblement comme un vaste chantier multiforme afin de rattraper le retard constaté dans divers secteurs et de répondre aux attentes maintes fois exprimées par la population conformément à la vision du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, traduite de l'action gouvernementale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Nous sommes en mesure d'annoncer le renforcement et l'extension progressive de produits et services lancés l'année dernière, notamment en AFAM, ce programme de microcrédit qui permet aux commerçantes n'ayant pas accès facile au crédit traditionnel de bénéficier de prêts à un taux imbattable de 1%. Au mois de novembre 2018, 6 043 femmes issues d'associations d'entrepreneurs dans 7 départements sont déjà servies. Une façon de promouvoir l'autonomie des femmes, moteur de notre économie. Citoyens qui vivent à travers divers quartiers dans la zone métropolitaine continuent à recevoir plat chaud dans le cadre du programme Corépeup administration Moïse Séan. Mercredi 7 novembre 2018, là, plus passé 3000 plats chauds distribués dans le quartier Village de Dieu et puis La Saline. Nous proposons un compte rendu Louis-Nel Jean-Louis et Wilson Idori. Distribution plats chauds va continuer dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine. Là. Pour une deuxième fois, Fonds Assistance économique et sociale distribué mercredi 7 novembre dans plats chauds aux habitants qui vivent dans le Village de Dieu à travers cantine mobile, initiative gouvernement mette sous pied qui visait accompagner les gens qui sont faibles. Toujours mercredi 7 novembre, les citoyens qui vivent dans le quartier La Saline ont eu la chance de recevoir plats chauds dans le cadre du même programme qu'on répète là. Les citoyens qui vivent dans le quartier Sayo saluent l'initiative ça pendant qu'ils ont des responsables continuent à accompagner les gens qui vivent dans le quartier populaire. L'autre point, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, avec représentants plusieurs organisations dans le secteur agricole là. Si il m'a dit 6 novembre là, 20 projets pour financer plusieurs projets dans le département sud pays. Activité ça a rentré dans le cadre plan national investissement agricole qui visait relancer production nationale là à travers tout le pays. Rachel Saint-Fort, André Chéri. 118 millions gouttes, c'est quantité l'argent projet ça a coûté l'État haïtien, d'après directeur départemental agricole Sidla Marcelin Aubourg. Responsable a expliqué organisation bénéficiaire sélectionnée à partir d'une compétition qui était faite à travers projet renforcement service public agricole réciproque qui visait bourrer de l'argent à technique à diverses organisations qui produit dans le secteur agricole là. Le premier groupe de critères qui était appliqué pour sélection. Organisation eux-mêmes, pour être éligible. Et puis, deuxième série de critères qui étaient définis, qui étaient appliqués pour projet que OPRIO présentait. Et tout travail, ça, c'est à travers TAP, Concertation Agricole, départementale, là, qu'elle fait. C'est d'ailleurs qu'ils sont partis dans le financement que le bail, environ 70%, et reste 30%, c'est OPR là, qui a monté contribution par. Boua de l'agence a permis à l'organisation de construire ou soit réparer atelier que vous avez gagné déjà. Nous connaissons gagné qui a fonctionné, mais les conditions que vous avez fonctionné ne sont pas dignes d'une organisation qui devait lancer effectivement dans la commercialisation ou bien dans la production. Conscient de l'état ça, conscient de faiblesse que l'organisation a fait face à eux, le ministère de l'Agriculture était choisi pour lui. Aidez-nous à avancer.
Financement ça la permet à environ 1239 membres organisation. En 1239 membres, c'est peut-être 61% là d'ailleurs c'est femmes. Femmes bénéficiaires qui a bénéficié projet directement. Et quantité bénéficiaire indirect que le projet a lui-même pour aller accompagner, c'est peut-être 36 000 personnes qui se plantent, qui vendent pour tirer côté, ou voyez qui travaillent dans le jardin, ou voyez qui travaillent dans l'atelier de transformation, marchand qui parle pour produire, pour commercialiser et la trier. Activité qui a réalisé, le tombé d'aplomb avec GFOR, président de la République, là, premier ministre là, avec le ministre de l'Agriculture a fait pour qu'il y ait plus de manger dans le pays. Là. Et puis faire plus d'argent rentrer dans le prochain acteur, si tout le monde a planté. Bénéficier engagé pour respecter tout principe pour entreprise marcher bien, pour te faire un avantage population. Je remercie tout acteur qui t'a supporté et puis accompagné. Signati, ce projet ça a permettre nous joindre bourra de l'argent pour mettre sous pied et puis renforcer différentes entreprises dans plusieurs communes dans le département sud là. Nous mêmes femmes représentant OPR dans la communauté, dans le comité gestion et le comité directeur, nous prenons engagement pour nous respecter tout principe pour faire entreprise bien marcher et puis pour être free pour bénéficiaires. D'après l'initiative, les bénéficiaires ont travaillé dans plusieurs filières dans le respect des normes nutritionnelles et puis ont pris en compte la participation des femmes et des garçons. Fédération Organisation Jeunes Haïtiens Progressistes FOJAP encourage le président de la République Jovenel Moïse et le premier ministre Jean-Henri Séan continuer travail dans l'idée pour améliorer conditions de vie population. Coordonnateur général FOJAP Jean-Charles Guerrier et responsable communication Casimir Lorisme des populations ne pas prendre manipulation moun kap mené nan violence. Coordonnateur a encouragé au poté coller à gouvernement dans des marches y a mené pour permettre un bon procès Petro-Caribe fait. Pour j'ai salué courage et bonne volonté premier ministre Jean-Louis Séan pour gros effort nous à la fin dans le pays pour aborder et commencer par quelques techniques et moyens pour résoudre en pile dans yo. PM Séan, pour j'ai rappelé plus moun avèr que ça cap intimidé yo qui pensait yo qu'écraser à faire des autres dans le pays. Pour j'ai rappelé PM Séan tout problème identifié déjà à moitié résolu. Qui donc, depuis identifier un problème, serait le bouillon résolu. Ou bien fait appel à cadre qui est compétent pour le résoudre. Pour j'ai dire à tout membre opposition, si vous avez un pays après, c'est connaissance, compétence et expérience pour mettre ensemble avec PM Jean-Louis Séan, avec le président Jovenel Moïse, pour construire et faire lumière sur ça, vous avez un bon pour le pays. Nous même tout dans FOJAP, nous d'accord et voulons poursuivre tout le monde qui détourne l'argent. Nous continuons pour nous dire, pas de aucun progrès qui a fait nous craser, briser. Manifester pacifiquement. Pas faire violence sur le monde qui va compter pour la même cause. Là. Pas rentrer dans la logique, vouloir craser ce qui est déjà construit. On agit tant que le monde qui a bon sens. Une délégation 150 missionnaires adventistes qui fait partie division interaméricaine rentrée dans le pays vendredi 9 novembre pour réaliser 3 journées prières sortie 10 pour 12 novembre dans stade Silvio 14 avec le parc Sainte-Thérèse dans Pétionville. Activité ça à l'église adventiste organisée chaque année visée orienter communauté adventiste là. Un extrait. Notre église adventiste du septième jour, je voudrais indiquer que nous sommes ici simplement de célébrer le pouvoir et même la gloire de Dieu dans l'église adventiste, mais en même temps, je voudrais dire que ce pays et les peuples sont pleins de courage, même avec le tremble de terre il y a quelques années, et même les cyclones et tout cela. Mais gloire à Dieu, il y a le zèle et la force du peuple d'Haïti. Et j'espère que nous pouvons
célébrer ces caractéristiques de ces peuples. Chaque année, l'Église adventiste et dans le monde entier gagne des moments de réunir pour faire des plans, stratégies, prier ensemble et voir qui côté on peut aller. Et l'Église adventiste est divisée en plusieurs régions. Ici, là, c'est ça, les régions de la division interaméricaine, qui gagne toute Caraïbes là, Mexique, Amérique centrale, et qui fait partie de lui-même. Haïti, dans l'Église adventiste, résonnait bien parce qu'on nous connaît nous pour piété nous, je nous remets prier, vivre et l'évangile et nous espérer que présence nos prières que nous allons faire ici dans ce stade-là et dans le parc Saint-Thérèse demain, les réunions que nous avons gagnées dimanche, lundi, capable d'orienter nous et nous-mêmes en tant qu'Église et orienter la communauté haïtienne dans tout, nous avons besoin en bénédiction de notre présence. Ministère engagé dans les affaires Timoun, dans tête collée à l'association pour évangélisation Timoun, AEE, annoncé jeudi 8 novembre, une journée d'activité qui a fait samedi 10 novembre, qui a venu sous thème Debout pour la jeune génération. Directeur AEEA, Jackie Gilles, expliquait l'activité ça a fait dans l'idée pour sensibiliser parents Timoun sous éducation et formation et puis encourager en même temps prendre responsabilité. Responsabilité. Nous invitons au suivi un extrait. Objectif conférence, c'est pour capable sensibiliser les parents, les leaders d'église, les moniteurs d'école du dimanche, les responsables d'orphelinat, les responsables d'école sur l'importance qui gagne pour nous capables debout pour la jeune génération. D'ailleurs, thème ça nous tire dans Genèse chapitre 21 verset 18 qui montre importance pour nous capables camper pour Timoun, parce que de nos jours, dans le pays, nous, Haïti, un peu Timoun a fait face avec des situations difficiles, des situations de violence, des situations qui mettaient bien-être Timoun en danger. Et AEE voulait soulever intérêt autour de protection Timoun, autour de bien-être Timoun, et c'est ça fait nous réaliser la conférence. La durée un jour seulement, et c'est samedi qui a 10 novembre, de 8h à 4h, dans l'église Baptiste Méré, qui est dans Delma 43, numéro 13. Et si on a besoin de contacter nous pour capable jouer beaucoup plus d'informations, ou capable de dans le numéro ça, 28 13 18 37, ou bien 34 24 56 28, ou capable dans deux numéros ça, pour capable jouer beaucoup plus d'informations sur la conférence ça qui a fait autour de thème ça, debout pour la jeune génération, quand que nous voulons mobiliser les parents, nous voulons sensibiliser yo, parce que nous ne pouvons pas toujours être simonio ensemble avec nous-mêmes, mais n'a pas gain chance pour nous capable influencer la vie, n'a pas gain chance pour nous capable camper pour eux même pour faire une différence dans la vie pendant que yo jeunes yo ensemble avec nous mêmes. Amis téléspectateurs, n'a prend dernier pause nous dans téléjournal ça, l'entonnée n'a pas l'international. Et puis Yan Long, yon ancien soldat 28 l'année, c'est auteur fusillade qui fait dans Thousand Oaks là, yon ville qui tout près Los Angeles en Californie, côté 12 moun perdu la vie mercredi qui s'est passé. Yan Long était en mission pendant 7 mois dans pays Afghanistan, le retourné aux États-Unis, santé mentale li pas en forme. Nous invitons à suivre. Ville Thousand Oaks en deuil après fusillade qui était la cause 12 monde perdit la vie au nan la nuit de mercredi 7 novembre nan. C'est Yang Long, un ancien soldat américain 28 l'année qui posait Zaksa. Yang Long t'a servi dans l'armée américaine sorti août 2008 pour arriver mars 2013. D'après information CNN, mettait d'ailleurs les joints dans l'archive ministère de défense américain. Yang Long t'a servi dans le pays Afghanistan pendant 7 mois. En après, il retourné aux États-Unis. Depuis les salles, il a vécu gros stress et puis santé mentale, il pas en forme. Autorité a écarté possibilité pour cet acte terroriste. D'après une organisation non gouvernementale, c'est 307e fusillade qui fête sous territoire américain depuis commencement année 2018 là. Dernier fusillade là, c'était dans une synagogue dans la ville Pittsburgh qui t'a tué 11 mouns.
Premier ministre Jean-Henri Séan visité vendredi 9 novembre l'an douane Malpasla. Visite ça inscrit dans cadre j'efforts cap fait pour lutter contre contrebande et corruption sous frontière. Inspection générale PNH recevoir 158 plaintes, il fait 188 convocations, 134 auditions, saisi 185 chèques, prend 13 mesures conservatoires et puis fait 3 isolements pour mois octobre là selon porte-parole en après inspection générale PNH là commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin. Association infirmière femmes sages d'Haïti en tête collée avec Fondation pour avancement sage femmes en Haïti mettait bout vendredi 9 novembre là avec formation yo té démarré mardi 6 novembre sot passé ya pour sage femmes sous violence sexuelle avec violence qui basé plus passé 26 000 monde. Merci à vous-même qui t'ai prêté nos attention pendant le téléjournal ça. Merci à tout le monde qui travaille pour rendre le possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end avec Télévision Nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde.